monsieur le directeur. Regardez là. C'est Pietro. Regardez, prends le monde de plat. Hop, il est déjà en bas. Mais dites donc, vous êtes en faute. D'après notre contrat, tout le personnel devait être exclusivement féminin. Ah, alors vous, il est père de 14 enfants. Vous trouvez ça rassurant? Je vais vous monter au troisième. Faites-moi. Au sixième. Je le renvoie. C'est moi qui m'en vais. Non, monsieur Evans. C'est moi qui m'en vais. Monsieur Evans. Et d'après le contrat, vous deviez aussi nous réserver tout le second étage. Alors qu'est-ce que c'est que cette vieille guimbarde qui chante Rigoletto? C'est un vieux client de l'hôtel qui se prend pour Caruso. Je le renvoie. À la place, je vais vous mettre une vieille dame qui se prend pour Sarah Bernard. Vous foutez-moi là. Oui. Non, monsieur Evans, voilà ce qu'on va faire. Je la renvoie elle aussi. Mais moi, je m'en vais. Non, monsieur Evans, écoutez. Monsieur Evans. Je le renvoie moi-même. Mais non, monsieur Evans. C'est Pietro. Il est passé par ici. Il repassera par là. Monsieur Evans. Bon, regardez. Mes filles sont là, mes filles. Hein. Qu'est-ce qu'il leur faut de la moralité? Uniquement de la moralité. Pas d'hommes, pas d'hommes, pas d'hommes, que les femmes autour d'elles, toujours. Voilà. Eh bien, voilà, regardez. Voilà une dame. Oh. Oh, c'est joli. Comme c'est joli. Ah! Oh là là, c'est énorme! Ah ben, il faut ça! Oui. Et qui c'est qui l'a faite? C'est moi qui l'ai faite. Oh! C'est vrai? Oui. Oh! Attendez. Ah oui, c'est bien vous. Les filles, venez voir comme c'est joli ça, venez voir! Regardez, voilà! Oh, et c'est monsieur qui l'a faite! Oh! C'est joli, hein?